الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا وفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Chers téléspectateurs et téléspectatrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis heureux de vous rencontrer à travers Iqra, toujours à travers notre émission Hadith. Aujourd'hui, nous allons traiter les hadiths parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, il est rapporté par Imam al-Bukhari dans son recueil authentique et d'autres aussi. Ce hadith est rapporté par عبد الله أبي مسعود عقبة ابن عامر أن أبي مسعود عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو إذا لم تستحي فافعل ما شئت donc d'après أبي مسعود عقبة بن عامر que Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie de ce que les gens ont retenu des paroles de premier temps de la prophétie, si tu n'éprouves pas la pudeur, alors tu peux agir comme tu l'entends. Donc, en fait, ce hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, ce hadith, en quelque sorte, le prophète est rapporteur. C'est ce que les prophètes, les messagers avant lui ont enseigné à leur communauté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il fait partie de ce que les gens ont retenu des comme enseignement du premier temps de la prophétie. Si tu n'éprouves pas la pudeur, alors tu peux agir comme tu entends. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ces hadiths? Le savant, ils ont 10 explications pour ces hadiths. En fait, une première explication qui dit, si une personne qui se trouve dans une situation, qui a envie de faire quelque chose, qui a envie de dire quelque chose, qui s'interroge, qui se dit, est-ce que ce que je vais dire, est-ce que ce que je vais faire est permis ou n'est pas permis? Donc, il dit, tu regardes. Est-ce que ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de faire, est-ce que tu éprouves de honte de faire devant les gens? Est-ce que ça te gêne de dire et de faire ce que tu as envie de faire et ce que tu as envie de dire? Si ça te gêne, tu éprouves des gênes, donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas bien de le faire. Mais si tu n'éprouves pas de pudeur, de gêne, de honte de le faire ou de le dire, alors tu peux le faire. Donc en fait, selon cette explication, ça veut dire quand on veut faire quelque chose, on veut dire quelque chose qu'on ne sait pas, si on n'est pas gêné. Bon, en fait, quand je dis on n'est pas gêné, je parle d'une personne dont la nature n'a pas été déformée, dont la nature n'a pas été altérée. Puisqu'il faut savoir, aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans une époque où la plupart des gens, beaucoup de gens, leur nature, leur fitra innée a été altérée. Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, le mal est devenu le bien à leurs yeux, donc, et le bien est devenu le mal à leurs yeux, qui fait qu'ils n'éprouvent aucune honte de faire du mal, puisque pour eux, c'est un bien qu'ils le font. Mais par contre, ici, on parle de quelqu'un qui a la fitra, qui a la nature originelle qui a été préservée, qui n'a pas été altérée. Donc, c'est ça la première explication, donc, de dire, ben, si quelque chose, tu n'éprouves pas de honte de faire devant les gens ou de le dire, tu peux le faire. Il y a une deuxième explication qui dit non, c'est pas dans ce sens qu'il faut comprendre ces hadiths, qui dit en fait, ces hadiths, c'est une menace, ce n'est pas une autorisation. Donc, il dit en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il fait partie de ce que les gens ont retenu des paroles des premiers temps de la prophétie, ce que la personne qui n'éprouve pas la pudeur, qui n'a pas la pudeur, qui n'est pas honte, une personne qui est sans gêne, dit, c'est lui qui est sans gêne, alors il peut faire tout ce qu'il a envie de faire, il peut dire tout ce qu'il a envie de dire,
il n'échappera pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il trouvera auprès d'Allah ce qu'il dit et ce qu'il fait. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il dit, il ne prononce aucune parole sans qu'il ne trouve auprès de lui des observateurs qui sont là à consigner, à noter ce qu'on dit de bien ou de mal. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. Les jours où chaque âme trouvera ce qu'il a fait de bien présent, les jours où chaque âme trouvera ce qu'il a fait de bien présent, et ce qu'il a fait du mal aussi, il le trouvera présent. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Il aimera, il souhaitera, si entre lui et ses mauvais actes et ses mauvaises paroles qu'il a fait, s'il y avait une longue distance qui les séparait. Donc, en fait, les savants, ils nous disent que la deuxième explication de ces hadiths, de dire, ces hadiths, c'est une menace, de dire, celui qui est sans gêne, celui qui est impudent, ben, quand une personne est sans gêne et impudent, il est capable de faire tout. Donc, en fait, il faut savoir que, comme la pudeur, est un noble caractère que l'islam exige du musulman. Donc, les prophètes disent, donc, chaque religion a des caractères, a de nobles caractères qui les remarquent, qui distinguent. Et parmi les nobles caractères qui distinguent le musulman et l'islam, c'est la pudeur, le fait qu'une personne soit pudique. La pudeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le musulman étant donné, le musulman a cette conscience que où qu'il soit, Allah est avec lui. Allah il entend, Allah il le voit. Donc le musulman a honte que Allah entende de lui ce qui lui déplaît. Le musulman a honte que Allah il voit, qu'Allah le voit faire quelque chose qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman a honte que Allah le voit dans un endroit qu'il n'aimerait pas le voir. Donc ainsi, donc par pudeur, la pudeur empêche les musulmans de commettre des fautes, de transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme aussi, de même, le musulman est quelqu'un qui a pudeur, qui est pudique, qui a la pudeur devant les gens, qui ne peut pas se permettre de dire des propos indécents devant les gens, qui ne peut pas se permettre de commettre des actes blâmables ou des actes qui relèvent de la turpitude. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith en recommandant à ses compagnons, les prophètes, il leur dit, Istahyu min Allahi haqq al-haya. Ayez la pudeur, ayez la honte devant Allah comme il se doit. Et les compagnons, ils ont dit, ô messager d'Allah, nous sommes pudiques, nous avons la pudeur devant Dieu, alhamdulillah, et alhamdulillah, nous avons la pudeur devant Dieu. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, il ne s'agit pas de ça. Il dit la pudeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit c'est surtout le fait de préserver la tête et ce qu'elle retient. Et de préserver le ventre et ce qu'elle renferme. Et le fait de se souvenir de la mort et après la mort. Il dit celui qui aura fait ça, c'est-à-dire préserver, c'est-à-dire ce qu'il a dans la tête, c'est-à-dire ce qu'on sait, c'est-à-dire le fait d'agir conformément au savoir. Parce que des fois, il y a des gens, ils ont appris pas. Beaucoup de choses. Ils savent beaucoup de choses. Ils savent le bien, ils savent le mal, mais ils agissent contrairement à ce que les savoirs exigent de eux. Donc, une personne qui agit de cette façon n'a pas préservé ce que la tête a retenu. Donc, il dit de fait de préserver la tête et ce qu'il retient, et de préserver le ventre et ce qu'il renferme, et le fait de se souvenir, le fait de se rappeler de la mort et après la mort, et celui qui agit ainsi, il aura honte devant Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Donc le musulman, en fait, la pudeur exige d'un musulman qu'il soit vraiment pudique où qu'il soit seul ou bien qu'il soit devant les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était notre modèle, était quelqu'un de très pudique. Et aussi Othman radiallahu anhu, ses grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le troisième calife, l'une des qualité qui caractérise Othman, c'était la pudeur. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui. Abu Bakr radiallahu anhu,
Abou Bakr est venu frapper à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander la permission. Le prophète, il était allongé, il était un peu dévêtu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a permis à Abou Bakr de rentrer. Abou Bakr est rentré. Après, il y a Omar radiallahu anhu qui est venu frapper à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé Omar de rentrer sans changer de position. Et ensuite, il y a Othman qui est venu frapper à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qui est-ce? On lui dit c'est Othman. Quand on lui dit c'est Othman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, s'est assis. Et il a bien, il s'est couvert. Il s'est couvert. Ensuite, il a autorisé Othman de rentrer. Quand Othman est rentré, en fait, Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était présente. Elle a observé l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, quand ils sont partis, Aïcha radiallahu anha, elle dit: Ô messager d'Allah, Abou Bakr il est venu, t'as pas changé de position, t'es resté tel que tu étais. Omar il est venu, t'as pas changé de position, t'es resté tel que tu étais. Mais quand Othman est venu, tu t'es assis, tu t'es couvert et tu l'as permis de rentrer. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Pourquoi n'aurais-je pas honte? Pourquoi n'aurais-je pas la pudeur devant un homme devant qui les anges, ils ont pudeur, ils ont la pudeur, ils ont honte. En fait, tellement Outhmane, c'était quelqu'un de pudique, tellement pudique, il dit, même les anges, face à Outhmane, ils ont la pudeur, ils ont honte face à Outhmane. Donc, en fait, il faut savoir, Allah subhanahu wa ta'ala nous traite à l'aune de nos attitudes, à l'aune de nos comportements. Si on fait preuve de la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous traitera ainsi, Allah ne nous fera pas honte le jour du jugement dernier. Mais la personne qui se comporte, qui a une attitude impudente vis-à-vis, une attitude impudente vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le scandalisera le jour de la résurrection, que Allah préserve. Donc en fait, ce hadith, c'est un critère très très important pour mesurer, pour évaluer nos attitudes et nos comportements. Est-ce que ce qu'on fait, est-ce que ce qu'on dit, c'est bien ou c'est pas bien? C'est surtout le fait de voir le degré de la pudeur, de la honte qu'on a face à telle ou telle chose. Donc, il faut savoir que le musulman doit s'éduquer à être quelqu'un de pudique. Nous devrons éduquer nos enfants à être pudiques. Donc, c'est-à-dire, nous ne devrons pas faire devant nos enfants, nous ne devrons pas dire devant nos enfants quelque chose qui n'est pas convenable. Car les enfants, nous sommes leurs modèles, nous sommes leurs exemples. Donc, si un parent qui se permet de dire des propos indécents, des propos injurieux devant ses enfants, les enfants, ils vont apprendre, ils vont répéter la même chose. Et de même aussi, si on se permet de faire des choses qui relèvent de quelque chose de blâmable devant les enfants, ils vont considérer telle chose comme quelque chose de normal, comme quelque chose de banal, dont ils pourront le reproduire, le refaire devant les autres. Donc, c'est pour cette raison, la pudeur, vraiment, c'est une qualité que l'islam exige d'un musulman et que le musulman doit être pudique et doit éduquer ses enfants à être pudique, même si aujourd'hui, la société a tendance à pousser les gens à être impudents, à être sans gêne. Nous, en tant que musulmans, on doit garder cette qualité qui est la pudeur dans notre vie de tous les jours pour, inshallah, suivre le modèle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, inshallah, on s'arrête là avec ces hadiths et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à travers un autre hadith parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ici là, que Allah subhanahu wa ta'ala vous entoure par sa providence et sa protection, que Dieu vous garde dans le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.